Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème culinaire puisque je vais vous présenter une journée dans mon assiette édition automne. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire une rapide parenthèse puisqu'aujourd'hui en fait la 200e vidéo sur ma chaîne. Je trouve que ce chiffre est quand même assez impressionnant pour être souligné. Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de ces vidéos en espérant pouvoir doubler ce chiffre là et que vous soyez toujours là. Et si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air juste sous cette vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit pour vous, mais pour moi ça m'offre un soutien juste incroyable et je suis sûre qu'avec ça on pourra aller sur les 400 vidéos et se retrouver pour fêter ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Pour mon petit déjeuner, je suis toujours restée sur le basique chocolat chaud avec des petites tartines. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous êtes le matin, plutôt thé, plutôt café, plutôt chocolat ou jus d'orange. N'hésitez pas à me dire, je suis curieuse de savoir. Et comme je le disais, j'accompagne ça avec des tartines de pain grillé et du beurre salé, bien évidemment, team beurre salé à fond. Mais voilà, j'aime bien me faire des œufs brouillés avec du bacon de temps en temps, mais ça c'est souvent plutôt le dimanche matin. Donc là voilà, je me fais mes petites tartines, j'accompagne le tout avec un verre de jus d'orange et un fruit, là en l'occurrence ce matin c'était un kiwi. Et voilà, ça me permet de tenir une bonne partie de la matinée. Au menu ce midi, des petits légumes cuits en bouillon avec des œufs au plat. Alors lorsque j'ai filmé cette vidéo, c'était samedi et j'ai fait exprès de filmer ce jour-là puisque Monsieur Stelicious était à la maison. Je fais les repas du midi, en général la semaine, s'il n'y a pas de reste de la veille. Ça m'arrive très régulièrement de sauter le repas du midi, très honnêtement, puisque en fait, vous avez vu le petit déjeuner que je prends avant, en général ça me cale et je ne ressens pas le besoin de manger. Je fais juste un petit goûter rapide, mais le midi, voilà, si je dois commencer à me préparer à manger, ça me fait perdre du temps. Et voilà, des fois je n'en ai pas l'envie, donc là j'ai filmé un samedi pour être sûre de vraiment vous montrer tous mes repas. Donc pour en revenir au repas, je commence par éplucher les carottes et les pommes de terre que je vais mettre ensuite à cuire dans un bouillon. Donc là je commence à couper mes carottes, je fais bien attention de les couper en tout petits morceaux pour la simple et bonne raison que juste avant de commencer à filmer la vidéo, je me suis rendu compte que ma cocotte minute était cassée. En fait, de manière générale, j'utilise tout le temps ma cocotte minute pour faire cuire ce plat-là parce que c'est hyper pratique et surtout c'est beaucoup plus rapide que dans une marmite classique. Mais depuis quelques temps, elle montrait des signes de faiblesse au niveau de la poignée et là, elle a lâché complètement. Donc voilà, je coupe tout en petits morceaux pour pouvoir le cuire ensuite dans ma grosse marmite d'eau. Une fois que toutes les découpes sont prêtes, je vais faire mon bouillon. Donc au préalable, j'ai mis de l'eau à chauffer le temps de faire la découpe des légumes. Et là, je vais venir ajouter des cubes de bouillon. Donc moi, j'en ai mis 3. J'ai mis également 3 feuilles de laurier et je vais placer ensuite mes petits légumes de sorte à ce qu'ils cuisent. Donc lorsqu'ils sont cuits en cocotte minute, je les laisse 10 minutes, mais là, je les ai laissés facilement 20-25 minutes. Facilement.
Et après, voilà, je fais le reste, donc le petit œuf au plat. Je me sers mon assiette, un petit peu de légumes. J'ai enlevé les feuilles de laurier juste avant, au cas où, histoire de ne pas avoir de surprise dans l'assiette. Je glisse ensuite mon œuf au plat et bon appétit! On se retrouve pour le repas du soir. Alors, je ne vous ai pas montré de snack juste avant pour la simple et bonne raison que lorsque je mange le midi, je ne ressens généralement pas le besoin ni l'envie de me faire un petit goûter. En revanche, en semaine, lorsque je ne fais pas de vrai repas le midi, je me fais un petit goûter rapide. Généralement, c'est salé, mais voilà un petit peu pour mon organisation. Donc, pour en revenir au repas de ce soir, au menu, c'est soupe et feuilleté jambon fromage. J'ai choisi de faire une soupe dans le thème automne puisque je vais faire une soupe de butternut. Je pense que c'est une de mes soupes préférées. Je vais commencer par éplucher et couper tous mes légumes. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mis du poivron rouge, de la carotte. Là, je suis en train de découper des oignons. Alors ça ne se voit pas, mais je suis en train de pleurer. Voilà, c'est toujours le même problème. Pratiquement dans toutes les vidéos cuisine, j'utilise des oignons et je vous montre toujours la catastrophe. Mais bon, voilà, on va pas faire le coup à chaque fois, mais voilà, c'est toujours toujours comme ça. Donc voilà, là je coupe mes oignons. Voilà, je pense, je m'arrête un petit peu pour souffler parce que vraiment ça me piquait trop les yeux, ils étaient hyper forts ces oignons. Mais voilà, je vais découper tout ça et après je vous présente Henri Van Butternut. Voilà, avec Monsieur Stelicius, on s'est tapé un petit délire. Donc là on entre dans la partie muscu de la vidéo puisque découper un butternut c'est quand même physique, c'est assez costaud, donc voilà, je découpe tout ça, je viens faire des petits cubes. Encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas ma cocotte minute, donc j'essaye de faire des morceaux assez petits pour que ça cuise plus vite. Donc là, je vais venir les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive, histoire qu'ils compotent un petit peu avant de les mettre en bouillon. Et le temps de ça, je vais m'atteler à la préparation d'une béchamel. Je vous annote les quantités à l'écran si jamais ça vous intéresse. J'ai fait vraiment une toute petite portion puisque j'en avais pas besoin de beaucoup. Donc voilà, je vais venir régulièrement remuer mes légumes et ne pas lâcher ma béchamel qui a besoin d'une attention constante. Une fois que la béchamel me convient, je vais venir mettre un petit peu de gruyère râpée à l'intérieur, ainsi que du sel, du poivre et de la muscade. Je reviens à ma soupe et je fais le bouillon, donc j'ajoute de l'eau bien chaude jusqu'au ras des légumes. Je rajoute également 2 cubes de bouillon de volaille et quelques feuilles de laurier. Je laisse cuire ça pendant 30 minutes, ça aurait été 15 si j'avais eu ma cocotte, mais malheureusement je ne l'ai pas. En attendant que ça cuise, je m'attelle à la confection des feuilletés. Donc dans la béchamel que j'ai fait juste avant, je rajoute du jambon. Donc pour ma part, c'est du jambon de blanc de poulet puisque c'est ce qu'on préfère à la maison.
Je mélange tout et dans la pâte feuilletée que j'ai au préalable coupée en quatre, je rajoute cette petite farce. Donc là, comme vous le voyez, vraiment les proportions pour la béchamel, c'est vraiment impeccable. Je les ferme ensuite de sorte à faire des petits chaussons et histoire que ça dore bien au four, je rajoute un petit peu d'œuf battu dessus. Et évidemment, je n'oublie pas de mettre quelques graines de sésame. J'adore le sésame, c'est toute ma vie. J'en mets absolument partout. Et après, j'enfourne tout ça pendant 20-25 minutes à 200 degrés. Et le temps que ça cuise, je viens mixer ma soupe. Vient ensuite le temps du dressage, donc deux petites louches chacun et un feuilleté chacun. Et je peux vous dire que c'est le meilleur repas pour un soir, c'est hyper réconfortant, hyper bon, franchement on s'est régalé. Voilà un petit peu pour une journée type dans mon assiette version automne. Je dois avouer qu'avec Monsieur Stelicius, on s'est pas mal régalé. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire si une autre vidéo de ce style vous plairait de voir sur ma chaîne. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao !